Je crois que les bruits venaient de là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez chercher de l'aide! C'est fermé. Il faudrait pourtant bien savoir. Sûr qu'il faut aller voir. Qu'est-ce que c'est? Il faut trouver Monsieur Gorsse! Monsieur Gorsse! Monsieur Gorsse, réveillez-vous! Laissez-nous. Partez, je vous en conjure. Au nom de Dieu, partez. Il ne porte pas de blessure. Il est un peu froid. J'ai de l'eau de Hongrie. Ça pourrait le réchauffer. Inutile, madame, inutile. Il y a des traces de cordes comme pour un pendu. Ou un étranglé. Étranglé? Vous avez entendu? On a assassiné. Oh. Faut prévenir le Capitoul. Quelqu'un ici qui est mort de mort violente? Oui, monseigneur. Mon fils, Marc-Antoine. Quand avez-vous trouvé le corps? Il y a moins d'une heure. Notre invité, Monsieur Lavaysse, et mon fils Pierre l'ont trouvé là, comme vous le voyez. Monnier, notez ce que dit monsieur. Monsieur... Calas, monseigneur. Jean Calas. Je suis marchand drapier. Monnier, notez que son cou est marqué et que sa cravate est dénouée. C'est moi, monseigneur, qui lui ai ôté. Elle était nouée? Oui, tout à fait normalement nouée. Quand j'ai touché le corps, il était déjà un peu froid. J'ai vu ses marques sous la cravate. Qui êtes-vous? Antoine Gorsse, garçon chirurgien. Garçon chirurgien. Monnier, vous avez bien demandé à la tour de venir immédiatement? Oui, monseigneur. Officier Latour. C'est récent. Il est encore un peu chaud. Oui, ce n'est pas la même chose qu'encore un peu froid, monsieur le garçon chirurgien. Il s'est pendu. Mais il a pu également être étranglé avec une corde. C'est très possible aussi. J'aurais besoin de l'examiner plus avant. Faites-le et donnez-moi vos conclusions demain. Je vous verrai ensuite, car de toute évidence, votre fils est mort de mort violente. Des rôdeurs peut-être. En attendant, bonne nuit, si vous le pouvez. Quand vous avez découvert le corps de votre fils, la boutique était-elle ouverte sur la rue ou fermée? Je ne sais plus, monseigneur. Comment vous ne savez plus? Vous ne laissez tout de même pas ouvert aussi tard dans la nuit sans personne pour garder? Habituellement, non, mais là, vraiment, je ne sais plus. Je n'ai plus ma tête. La boutique était fermée. On a voulu entrer, pas possible. On peut aussi pénétrer par derrière. Il y a une cour. Bien, nous verrons ça demain. Tout ce que vous avez déclaré avant, vous le jurez sur les évangiles, n'est-ce pas? Sur l'épisode sacré de la Passion du Christ. Hein? Oui. 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 Juré. Je le jure. Je le jure sur les Saintes Écritures. Ils vont tout de même pas s'en tirer comme ça. C'est à n'y pas croire. Tout leur est permis. Bien vrai, oui. Bien vrai. La vérité, la voilà par notre Seigneur. Il n'y a pas de bonne justice pour eux. Pour eux, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire qu'ils se permettent tout. Ils qui ils? Les protestants. C'est bien connu. Ils tuent leurs enfants qui veulent retourner à la vraie croyance. Qui retournent? Qu'est-ce à dire? Vous êtes de la religion prétendue réformée? Oui, monseigneur. Tous? Sauf Jeanne, notre servante. Elle est catholique. Pourquoi me l'avoir cachée? Mais monseigneur, vous ne me l'avez pas demandé. Vous auriez dû le déclarer spontanément. Ce ne sont pas des choses que l'on dissimule. Surtout dans ces circonstances. Vous êtes tous en état d'arrestation. Monseigneur, ce n'est pas le droit. Allons bien voir. On a raison de se méfier. Emmenez-les. S'il vous plaît, écoutons Mademoiselle Corneille. Pour vous d'abord, Monsieur de Voltaire, afin de vous montrer que j'ai bien écouté vos leçons, j'avais prévu un très long compliment en vers, un peu à la manière de mon arrière-grand-oncle Corneille, que vous admirez tant. Et à votre égard, Madame Denis, j'avais composé un poème sous forme d'exercice d'admiration un peu à l'antique, pour louer vos élégances. Et pour vous, Monsieur l'abbé, quelque chose qui s'apparentait à une action de grâce rimée et qui avait un rapport avec votre pieux état. Et pour vous, Docteur Tronchin, une note de gratitude pour les médecines que vous nous concoctez. Et à Monsieur Vanière, s'il consent à redescendre de la Lune, quelques considérations rimées sur l'astronomie pour l'aider à y remonter. Mais voilà, j'avais caché tous ces papiers dans mes vêtements qui sont partis au lavoir. Béni soit le lavoir. Je ne doute pas de votre inspiration, de votre pratique, peut-être de votre pratique. Tenez, justement, ma pupille, parlez-nous de votre dernière lecture. Allez. Dernière, vraiment? Quand elle hésite à ce point, c'est que c'est inavouable. Ne me dites pas. Lui, encore? Oui. Allez, allez au bout. Pas plus tard que ce matin, j'ai achevé la lecture de Julie ou la nouvelle Héloïse. Ce Rousseau emberlificote jusque dans ma maison. Enfin, Mademoiselle Corneille, quel plaisir trouvez-vous à cette histoire de précepteur qui engrosse son élève? C'est malsain pour une jeune fille. Mais tout paraissait bien qu'avec cette Héloïse, Rousseau a transposé sans pudeur ses tourments amoureux pour Madame Doudelot, non? Enfin, bon, si Paris ne le sait pas, je compte sur vous tous désormais pour le faire savoir. Quand je pense que l'on répand dans toute l'Europe que je suis immoral. Madame Denis, suis-je vraiment immoral? Oh, mon oncle, qui pourrait penser ça? Qui peut bien penser ça? Mais tout le monde sait que Madame Denis n'est pas seulement la nièce de Monsieur de Voltaire, la fille de sa sœur, mais aussi et surtout sa maîtresse, et qu'il se moque bien qu'on le sache. Mes entrevues, combien en avons-nous aujourd'hui? 4 visiteurs se sont annoncés, monsieur. Petite Corneille, désormais vous y assisterez. La petite Corneille. Depuis 2 ans qu'il m'avait adoptée par erreur, croyant que j'étais la petite fille désargentée du grand Corneille qu'il admirait tant, alors que je n'en étais qu'une très lointaine arrière-petite nièce. C'était la première fois que Monsieur de Voltaire m'appelait ainsi. Et aussi qu'il me proposait d'assister à l'une de ses entrevues, comme il désignait ces moments particuliers où des gens de 1000 horizons venaient le consulter, quémander, ou simplement recueillir ses propos. Son rival a chanté le soc laborieux. Certes, c'est très honorable de vouloir versifier à votre âge, à condition de ne pas en abuser. Mais j'écris pour la postérité. La postérité. Je ne crois pas que votre poésie arrive un jour à cette adresse. Un conseil, écrivez moins, lisez plus, et puis... Il n'y a pas que la poésie dans l'existence. Essayez le commerce, le notariat, le cheval, le verre à soie. On n'imagine pas l'importance du verre à soie. Moi-même, j'en fais l'élevage. Mes compliments à vos parents. N'ai-je pas raison? Je veux dire pour le verre à soie. Bon, c'est facile de vous moquer puisque personne n'ose vous répondre. Approchez, approchez. C'est notre curé. C'est le mien aussi, hélas. Que nous veut-il? Une dîme, monsieur. Il exige une dîme que la tradition avait abandonnée depuis longtemps et avec ses arriérés. Voilà un curé qui ne se mouche pas du coude. Une dîme, rien que cela. Donnez vos preuves à Vanière. Moi, j'écrirai à son évêque. Mais s'il persiste, je m'attacherai à lui procurer un emploi aux galères. Que me dit-on? Que vous voulez détruire mon église? Car elle vous gêne la vue? Que me dit-on? Que vous voulez tirer du sommeil une dîme qui ne demande qu'à se faire oublier, et avec les arriérés encore. Vous cherchez des prétextes. Parlons de mon église. Je n'aime pas votre comédie. Du reste, vous ne croyez pas en Dieu. Mais si, j'y crois. Je crois même que s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Je crois en Dieu, curé, ne vous en déplaise, mais je ne crois pas dans les prêtres qui nous volent jusqu'à notre dernier soupir. Ma comédie vaut bien la vôtre. Oui, elle me gâche la vue, votre église. Et son cimetière avec. Mais je ne vais pas les détruire. Non. Les déplacer, seulement les déplacer. Vous verrez, ce sera tout à votre avantage. Les déplacer? Mais on ne peut changer une église et un cimetière d'endroit. En aucune façon, vous entendez? En aucune façon. Et la dîme? Vous n'êtes pas beau joueur, curé. Laissez dormir la dîme et ses arriérés, ne tendez pas mes paysans, et nous pourrons reparler de votre église et de son cimetière. Enfin, on n'a jamais vu une église déplacée. Vous allez être excommunié. Si on ne peut plus s'offrir quelques menus gourmandises anticléricales... Monsieur Audibert, de Toulouse. Ah. Et que fait-on à Toulouse, monsieur Audibert? Du négoce, monsieur, du négoce. Je n'ai rien à acheter. Sauf votre respect, je n'ai rien à vous vendre. Monsieur Audibert est huguenot. Alors bon. Il vient demander votre aide à propos d'une famille huguenote, emprisonnée à tort selon lui, et qui est en grand danger. Et que reproche-t-on à cette famille huguenote? Le pire des crimes. Tout cela uniquement parce qu'ils sont huguenots. Mais encore, huguenot n'est pas un brevet d'innocence. Non plus que de culpabilité, si vous le permettez. Certes, toutes les religions s'égalent en cruauté. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont minoritaires que les réformés ne sont pas aussi des fanatiques, pétris de la même merde détrempée, de sang corrompu. Nous ne valons pas grand-chose, mais ils sont encore pires que nous. Et en plus, ils déclament contre mes tragédies. Il n'est pas une de mes pièces dans les théâtres de Genève qui ne fasse l'objet de leurs insultes. Regardez leur dernière cabale contre mon Tancrède. Je suis le sujet permanent de leurs calomnies. Osez me dire le contraire. C'est arbitraire, monsieur. Raccompagnez monsieur Audibert. C'est ainsi que cette affaire Calas, qui devait bouleverser l'existence de tant de personnes, et la mienne, je l'ai vécue en son tout début. Aussitôt après que monsieur Audibert fut parti, prétextant des migraines, monsieur de Voltaire se coucha et ne se releva que le lendemain pour me retrouver, où je ne l'attendais pas, dans son théâtre, où nous répétions Tancrède, sa dernière tragédie. Mais pourquoi ce déguisement? Enfin, Tancrède n'est pas de la Seine, c'est à Argyre que je m'adresse, à mon père. Ce n'est que pour vous aider. Et puis, je suis de la Seine qui suit. Cette témérité vous offense, peut-être, nous semble une injure. Ici, la loi plus dure veut de l'obéissance. Ici, la loi plus dure veut de l'obéissance et défend le murmure. Qui vous défend de murmurer ici, dans ma maison? Non, mais il ne s'agit que de théâtre. Vous déclamez trop vrai pour ne pas y adhérer. Et que diraient ces murmures s'ils me parvenaient? Non, rien, ils ne vous diraient rien. Allez, Ne faites pas comme les autres, osez me répondre. Mais pourquoi moi, la plus jeune et la moins instruite? La personne ici qui vous est le plus redevable. Allez, lâchez ce que l'on craint de me dire. Vraiment? Et vous ne serez pas fâché? Si, probablement, mais je vous l'ordonne. Eh bien, les murmures vous apprendraient... M'apprendraient? Vous apprendraient que chacun ici craint votre vivacité et a peur de vous déplaire. Et redoute vos jugements. Et que le matin, selon que votre humeur est bonne ou mauvaise, la journée le sera aussi. C'est tout? Non. On dit aussi que... vous vous ruineriez pour faire le mal autant que pour faire le bien. Par exemple? Eh bien, l'autre jour, ce jeune homme dont vous avez moqué la poésie, et ce curé dont vous voulez faire déplacer l'église, et cette famille de protestants dont vous n'avez rien voulu savoir. Et d'un autre côté, il y a toute votre sollicitude pour vos paysans, vos livres que chacun admire, et vos protestations contre les injustices, on dirait? Tantôt que vous haïssez à l'excès, tantôt que vous aimez trop. Qui ne sait pas haïr, ne sait pas aimer. En tout cas, je n'ai de regret, ni pour le mauvais poète, ni pour le curé. Alors vous en avez pour ces réformés? Ouais. Il faudrait que j'en sache plus. Et puis, cet homme de Toulouse, vous avez vu, il n'a pas insisté. Il est parti. Non, mais vous l'avez éconduit. Et vous reconduit. Vous êtes resté avec lui. Longtemps, très longtemps. Ah, ne dites pas le contraire, on me l'a rapporté. Allez, dites-moi ce qu'a dit cet homme de Toulouse. Allons, répétez-le-moi. Eh bien, je ne me suis pas fait prier pour lui raconter ce qu'il avait refusé d'entendre de Monsieur Audibert. Je vous le demande une dernière fois. Fermez ou ouverte votre boutique? Vraiment, monseigneur, je ne puis rien assurer. Tout est encore trop confus. Et la cravate de votre fils, comment expliquer qu'elle cachait des traces de strangulation? Je n'ai pas d'explication, monseigneur. Quelqu'un a-t-il des réponses? Emmenez-les, mais qu'ils restent à côté. Vous, Pierre Calas, je vous garde. Recommençons. Vous descendez l'escalier du logement avec votre ami Lavaysse. Vous arrivez tous les deux dans l'arrière-boutique et vous trouvez le corps de votre frère allongé sur le parquet près de la porte qui donne dans la boutique. C'est bien ça? Oui. Notez. J'ai découvert le corps de mon frère allongé sur le sol près de la porte qui donne dans la boutique. Ajoutez, sur les lieux, je l'ai juré sur les évangiles. Et je renouvelle mon serment ici même. C'est bien ça? Oui. Juré. Je le jure. C'est bien. Emmenez-le, faites revenir le père. Donc, votre fils vous appelle et vous descendez aussitôt, n'est-ce pas? Oui. Seul? Oui, seul, c'est cela, monseigneur. Et donc, vous découvrez, après lui et son ami, le corps de votre fils allongé sur le sol. Vous confirmez? Oui, monseigneur. Jurez? Je jure. Enregistrez bien. Emmenez-le. Je vous le redis, ils ne me sont pas sympathiques, vous réformez. Je ne sais pas pourquoi ils ne me sont pas sympathiques. J'ai une mauvaise intuition à leur endroit. Mais monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi au moins vous dire la suite. Maintenant, parlons sérieusement. C'est le tuteur qui s'adresse à sa pupille. Madame Denis m'a glissé qu'un certain capitaine voudrait me déléguer son parent pour discuter d'un mariage avec vous. Mais je ne le connais pas, ce capitaine. J'ignore même jusqu'à sa figure. Ah, ma chère enfant, vous ne seriez pas la première, et pas plus malheureuse pour autant, à découvrir votre époux au moment des noces. Mais oui, mais je ne veux pas me marier. Avec celui-là, en tout cas. Ah. Tiens, c'est pas ce que pense Madame Denis. Je recevrai ce capitaine et son parent. Je ne devrais pas? Eh bien, tant pis, je le recevrai quand même. Ah, je leur ai promis. Et c'est trop tard pour revenir là-dessus. et j'entends que vous serez présente. Bon, pour me faire excuser, que s'est-il passé ensuite avec vos Calas? Vous avez demandé à me voir? Je vous écoute. Voilà, Monseigneur. Cette nuit, j'ai prié. Et Dieu m'a inspiré. Hier soir, je ne vous ai pas dit toute la vérité. Et j'ai commandé de mentir à mon fils et à son ami. Mais pas à ma femme, ni non plus à notre servante. Elles ne savent rien. J'ai confiance en vous, Monseigneur. Allez au fait. Eh bien, voilà. Lorsque mon fils a raccompagné son ami, Gaubert Lavaysse, après dîner dans la boutique, Marc-Antoine n'était pas étendu par terre. Ils l'ont pourtant tous juré sur les évangiles, mieux, sur le passage consacré à la passion de notre Seigneur. Vous vous souvenez? Et par deux fois. C'est ça? Je vous en demande pardon, Monseigneur, s'il vous plaît. C'est tellement difficile. Marc-Antoine n'était pas étendu sur le sol, comme nous vous l'avons dit. C'était affreux. Il s'était pendu par le cou entre les deux battants de la porte qui donne sur l'arrière-boutique. La boutique était effectivement fermée. La corde était attachée à un de ces billots de bois qui sert à enrouler nos tissus. Vous êtes un parjure, comme vos complices. Ce ne sont pas des complices. Seulement de jeunes gens affolés à qui j'ai demandé, avant qu'ils sortent pour appeler le garçon chirurgien, de ne pas révéler que Marc-Antoine avait attenté à sa vie, afin de lui éviter l'infamie réservée aux suicidés. Vous le savez, Monseigneur, que la dépouille d'un suicidé n'a pas droit à une sépulture chrétienne, qu'elle est jetée aux immondices ou aux chiens. J'ai menti pour sauvegarder l'honneur de notre famille et pour épargner ma femme qui ignore encore comment son fils est mort, comme notre servante. Ainsi donc, selon vous, votre fils serait détruit avec une corde. Et vous le jureriez sur les évangiles, comme les deux fois précédentes. Dites-moi, quel passage des Saintes Écritures aurait votre préférence cette fois-ci? Remarquez, il n'en est pas un serment prêt. Il faudrait le croire, les croire tous. Emmenez-le dans l'aile sud pour qu'il ne communique pas avec ses complices. Croyez-moi, Monseigneur, je suis seul responsable. Pardon, je réclame votre indulgence, humblement. Et alors? Et alors, Monsieur Audibert a ajouté qu'à Toulouse, un huguenot arrêté était un huguenot condamné, même innocent, et que vous le saviez. Que je le sais? Que je le sais. Il en parle à son aise, ce Toulousain. Moi, je trouve que ce Capitoul accomplit sa besogne plutôt scrupuleusement. Il ne se contente pas d'un garçon chirurgien. Il fait venir un médecin accompli pour se faire éclairer sur les circonstances du décès. La plupart s'accommoderaient du jugement d'un ignorant. Et vos huguenots, ils jurent leurs mensonges sur l'Évangile quand on connaît l'attachement ostentatoire de ces gens aux Écritures sacrées. Le Capitoul a raison de penser que ces mensonges cachent forcément quelque chose qui les accable. Non, vraiment, vos Calas, ne m'en parlez jamais plus. Je ne vais pas gaspiller ma maigre réputation à me mêler de cette affaire. Simple curiosité, vous n'avez rien appris d'autre? Non, rien de plus. Monsieur Audibert s'est dit qu'il ne pouvait rien attendre de vous. Il espérait qu'à Genève, il aurait une meilleure aide. À Genève, tiens. Et de qui? De Rousseau, peut-être. Rousseau? Pensez donc, il est inaccessible aux sentiments. Il ne connaît que les fourments. Quant à cet Audibert, je vous le dis, on ne le reverra plus. Aussi, je lui ai conseillé de s'arrêter à son retour. Et même, je l'ai assuré que vous le recevriez. Vous commandez à mes entrevues, maintenant? Décidément, vous ne refusez rien. Ne comptez pas que je lui consacre la moindre minute. Surtout s'il a vu Rousseau. Je vous l'assure, il existe de fortes raisons de croire Jean Calas. Mais encore. J'ai pu me procurer le rapport du médecin Latour. Je l'ai soumis à un membre éminent de l'Académie royale de chirurgie, le docteur Antoine Louis. Il est formel. Marc-Antoine Calas s'est bien donné la mort. Oui, mais votre docteur de l'Académie royale est seul de son avis. Pourquoi aurait-il raison contre un autre qui, lui, a pu observer, des visu? C'est un qui a vu contre un qui n'a pas vu. C'est le bon sens. Ce n'est pas une bonne cause pour mon oncle. Monsieur Audibert, vous venez de Genève. Qu'a dit Rousseau de tout cela? Mais je n'ai pas vu Rousseau. Je n'ai même jamais cherché à le voir. Et j'ai eu des nouvelles de Toulouse. Et ce qui s'est passé là-bas est bien plus qu'inquiétant. Dites-nous. Ils l'ont tué, je sais pourquoi. C'est maintenant ma conviction. Reste à l'étayer. L'étayer? Oui. L'étayer par un monitoire. Je compte faire donner un monitoire. Car c'est ici la cause de la religion. Un monitoire? Mais vous ne pouvez pas. Je prends tout sur moi. Aucune condition n'est requise. La cause de la religion, vous dis-je. Non, ce n'est pas possible. Ça l'est même si peu que ça devrait vous rassurer. N'est-ce pas, l'abbé? Effectivement. C'est exceptionnel de lancer un monitoire. C'est très compliqué. Parce qu'il faut l'accord d'un évêque. Encore ne peut-il le donner que si la religion est en grand péril. Et alors, il devrait quasiment référer à Rome. Vous voyez, c'est un jésuite qui vous le dit. Et pourtant, si... Il est de mon devoir de vous annoncer qu'un monitoire est lancé. Pour vous rappeler qu'il est fait obligation de révéler, sous peine d'excommunication et des pires châtiments divins, tout ce que vous savez à propos du sieur Marc-Antoine Calas aîné, qui avait renoncé à la religion prétendue réformée. Qu'il était menacé, maltraité, et regardé de mauvais œil dans sa propre famille, s'il faisait abjuration publique, que son propre père lui aurait dit qu'il n'aurait d'autre bourreau que lui s'il persistait à quitter la cause huguenote. À ceux qui savent qu'on l'a fait mettre à genoux et étranglé, ou pendu avec une corde à deux nœuds coulants, qui a entendu une voix criant « à l'assassin !» Puis, oh mon Dieu, que vous ai-je fait? À ceux qui savent, par où y dire, ou autrement, qui sont les auteurs, complices, fauteurs, présents dans la maison Calas ce soir-là. Il est fait obligation de témoigner. Tout ça ne rend pas les Calas plus innocents, mais... je reconnais qu'après un appel à la dénonciation aussi vicieux, la suite n'est pas difficile à deviner. Qu'est-ce que vous savez? C'est des Huguenots. Mais encore. Ils ont tué leur fils. Mais pourquoi? Parce qu'ils voulaient abjurer. Qu'est-ce qui le prouve? C'est quelqu'un qui l'a dit à quelqu'un qui me l'a répété. Donc c'est une rumeur? Une rumeur, juridiquement, c'est un oui-dire. Ce n'est pas une preuve entière, c'est certain, mais tout de même. Un oui-dire vaut un quart de preuve. Donc, je note un quart de preuve. Pardon, monseigneur, mais un oui-dire d'un oui-dire, ce n'est qu'un huitième de preuve. Je vous le concède. Bien qu'il y ait différentes interprétations. Qu'avez-vous à rajouter ? Rien, monseigneur. Avancez. Et vous, que savez-vous? Eh bien, il avait menacé son fils de le tuer s'il abjurait. L'avez-vous entendu directement? Non, mais on me l'a dit. Un quart de preuve. Un huitième, monseigneur. Ce n'est qu'un on-dit. Un bruit public. Je vous l'accorde. Moi aussi, on me l'a dit. Comme à elle. Vous voyez? Et moi aussi. Attendez, vous êtes donc trois à confirmer avoir entendu dire que le huguenot Jean Calas a menacé de mort son fils Marc-Antoine s'il abandonnait la religion prétendue réformée pour gagner la vraie religion, c'est donc ça? Oui, oui, oui. Trois ont dit, trois quarts de preuve. Non, pardon. Monsieur Monnier va protester, 3/8. Et vous? On m'a rapporté qu'au moment du crime, la victime a crié « mon père, que vous ai-je fait, mon Dieu ?» Y avait-il une autre personne avec vous lorsque vous avez recueilli ce témoignage? Oui, ma femme. Pour « mon père, que vous ai-je fait, mon Dieu ?» une demi-preuve pour l'homme et une demi-preuve pour la femme. Là, n'est-ce pas, la chose est autrement plus grave qu'une simple menace. La victime désigne son bourreau nommément. Qui veut encore aider la justice du roi? Faites-les sortir. Bien, si je résume, nous avons 4 fois 1/8 de preuve, une autre fois 2/2, ce qui nous donne au total, eh bien, 1 preuve entière plus 1/2. Tout cela n'est pas rien. C'est mathématique. C'est une culpabilité mathématique. Tout de même. Plusieurs fractions de preuves font-elles une preuve entière? Quand ces fractions sont fondées sur des on-dit, un oui-dire, une rumeur, un bruit public... 2 demi-preuves valent un témoin oculaire, vous le savez bien. Cela suffit-il à impliquer un homme qui n'a consenti aucun aveu dans une affaire où il joue sa vie? Ces aveux, je les aurai. Je le confondrai en faisant parler les siens. Ne voyez-vous pas qu'ils sont tous du complot contre notre religion? Madame, je comprends que celui entretienne votre désarroi, mais il ne tient qu'à vous d'en sortir sur le champ. J'aimerais simplement m'assurer de quelque chose. Selon vous, comment est mort votre fils Marc-Antoine? Je l'ignore, monseigneur. Je sais simplement que son frère et son ami Gaubert Lavaysse l'ont trouvé étendu. Et mon mari ensuite. Étendu? Vraiment? Vous ne connaissez donc pas la dernière version de votre mari? Je n'en connais qu'une, monseigneur. Cette version est qu'il s'est pendu lui-même. Ce n'est pas vrai, monseigneur. Il vous le dira lui-même qu'il a menti, et par 2 fois sur la Bible. Non, voyez-vous, ma version à moi est que votre fils ne s'est pas pendu lui-même, mais que c'est votre mari qui l'a étranglé avec une corde parce qu'il voulait abjurer. Oui, madame. Votre fils aîné est mort martyr de la religion catholique qu'il voulait embrasser et par complot de vous tous. Que votre âme est sombre, monseigneur. Qu'il fait bien noir tout au fond de vous. Qu'à ce point de noirceur, vous devez endurer une terrible souffrance. Un Monnier. Un peu plus, elle va prier pour moi. Madame, je n'accorde jamais aucun crédit à ce que jure un réformé. C'est un principe qui m'a toujours réussi. Accordez-en à notre servante, qui est catholique. Interrogez-la. C'est exactement ce que je voulais faire. Si je suis convaincu de sa sincérité, vous n'avez rien à craindre. Je demeure sereine. Et je vais effectivement prier pour vous. Alors comme ça, tu es catholique, toi? Une bonne catholique? Oui, monseigneur. Je crois que notre religion est la seule vraie religion et je veux l'aider. Et tu sais aussi que si tu ne le fais pas, on peut t'y contraindre. Tu sais comment. As-tu peur? Oui, monseigneur, j'ai peur. Alors, au nom de notre religion, et parce que je ne veux pas abandonner inutilement une bonne catholique au bourreau, dis-moi comment est mort Marc-Antoine. Je ne sais pas comment le petit est mort. Je sais simplement que mon maître l'a découvert sans souffle, étendu à terre. C'est comme ça que je l'ai trouvé moi-même. Et ne crois-tu pas que ton maître aurait pu mentir? Oh non, monseigneur, non. Je ne te crois pas. Il a étranglé son fils et tu le sais. Dis-le au moins une fois. Une fois. Tuer son fils? Non, non, monseigneur, ça n'est pas possible. Mon maître est un homme sévère, mais juste, droit et bon. Sévère? Fanatique plutôt. Dis-moi, Marc-Antoine ne devait-il pas se convertir? N'a-t-il pas clamé le soir même de sa mort qu'il voulait abjurer le lendemain même? Sa famille ne le tourmentait-elle pas, craignant qu'il trahisse sa mauvaise croyance? C'est pour ça que son père l'a tué de ses propres mains. Et toi, tu étais dans la maison, tu ne pouvais l'ignorer. Le bourreau te le fera dire. Je crains le bourreau. Mais moi que Dieu. Sur ma foi, monseigneur, je n'ai jamais entendu que Marc-Antoine voulait changer de religion et se faire catholique. Pourtant, j'aurais bien voulu. C'est moi qui ai aidé son frère Louis à la conversion. Une conversion. Il y a un fils Calas catholique. Ils mentent tous par omission ou autre. Voyez-vous, Monnier, rarement accusation bientôt remise au procureur n'aurait été plus probante. Vous ne doutez pas? Je ne suis que certitude. Vous le voyez bien, tout est joué. Quel mauvais homme, ce Capitoul. Ce ne sont pas les hommes qui sont mauvais, ce sont les lois. Changez les lois, vous changerez les hommes. On dirait que vous parlez comme Rousseau. Et après? Ils sont au secret et attendent d'être jugés. Cela peut prendre des années, comme des mois, comme quelques jours. C'est au bon vouloir du Capitoul. Mais c'est maintenant qu'ils ont besoin de votre aide. Besoin de mon aide? Mais je ne suis ni justicier ni avocat, je ne suis qu'un malheureux philosophe. Je n'ai d'armes que mes écrits, quand ils sont lus. Et en plus, le roi m'interdit Paris. Si je m'y risquais, je serais embastillé. Oui, oui, embastillé. J'y fus à la Bastille, et par 2 fois. Hein? On m'y a battu, j'y ai souffert. J'ai cru ne pas y survivre. Je me le suis juré, je ne ferai rien jamais qui puisse donner prétexte à m'y reconduire. Si j'habite ici qui l'hiver est une Sibérie, c'est que d'un saut de puce, je suis à Genève, à l'abri de mes ennemis. Et puis je suis fatigué. Je suis vieux, malade. Je dois aller me coucher. Qu'on me laisse agoniser en paix. Qu'on me laisse finir ma vie tranquille. Ah non, laissez-moi. Apportez-moi plutôt les mauvaises médecines de Tronchin. Si mes médecines sont mauvaises, pourquoi ont doublé les doses que je vous prescris? Justement parce qu'elles sont de peu d'effet. Sachez-le, ce soir ou demain, je ne ferai rien pour les Calas. Ce Capitoul, il y a certes beaucoup à dire contre lui sur la manière dont il enquête. Mais ce qui compte, c'est ce que décideront les juges, devant lesquels ils comparaîtront. Seule leur décision, si elle s'avérait éminemment contestable, m'inclinerait à me débusquer. Grâce à Dieu, nous n'en sommes pas là. Pardonnez-moi, monsieur, mais n'est-ce pas prendre le risque d'intervenir trop tard, Ne devriez-vous pas... En avez-vous beaucoup comme cela, jeune fille sans importance, de conseils à m'administrer? Ne m'avez-vous pas dit déjà que je parlais comme Rousseau? C'est bien demain qu'on vient discuter mariage à votre propos. Ben, à demain, donc. C'était la deuxième fois que Monsieur de Voltaire faisait semblant de vouloir me marier. Au premier prétendant qui ne connaissait ni Virgile ni le latin, mais s'était audacieusement aventuré à dire qu'il aimait la nature, il avait proposé de réciter, en y mettant le ton, s'il vous plaît, les 100 premiers vers des bucoliques. J'étais curieuse de découvrir comment il allait s'y prendre avec celui-ci pour le décourager. Je ne fus pas déçue. Monsieur de Colmont, avez-vous fait bon voyage? Nous vous attendions. Ainsi, vous marquez de l'intérêt pour ma pupille. Une pupille de philosophe. Vous avez le nez bien fait. Et vous êtes capitaine, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Depuis 2 ans qu'elle est affernée, chacun d'ici a pu constater qu'elle est une gaie et décente jeune personne. Elle connaît la tapisserie au petit point. Elle va régulièrement à la messe où je l'accompagne, malgré ce qu'en disent mes ennemis. Elle joue la comédie, pas encore la tragédie, mais elle s'essaye avec les miennes. Elle a appris la grammaire, alors qu'elle n'avait aucune disposition pour cette sublime science. Enfin, elle porte un nom illustre. Corneille. Corneille, illustre, si l'on veut. Comment si l'on veut? Doutez-vous? Ah, mais là n'est pas la question. Ah non, parfait. Car je ne vois pas comment je pourrais accorder cet enfant à qui n'admirait pas son prestigieux ancêtre. Avez-vous déjà écrit des tragédies? Non, mais non, monsieur, jamais. N'avez-vous jamais eu envie d'essayer? Pas le moins du monde. Il n'a pas le souhait d'écrire ni tragédie ni rien, il est capitaine. C'est dommage. Car voyez-vous, s'il est incliné à écrire des tragédies, je lui suis conseillé. Certes, certes, mais il n'incline pas. Vraiment non, il ne veut pas s'adonner à la tragédie. Il n'y songe pas un seul instant, je vous le promets. Nous voulons seulement le marier avec une personne convenablement dotée. Ils pourront vivre sur mon toit. Mais admettez tout de même que c'est dommage, pour qui prétend s'unir à la descendante du grand Corneille, de négliger les tragédies. Oui, mais la dot. Je leur lèguerai mes droits sur mes commentaires de Corneille. Un ouvrage apprécié. Des hommages, monsieur de Colmont. Apprécié, oui. Mais se vendant peu. La demande en mariage s'est arrêtée là. Monsieur de Voltaire n'en a pas paru vraiment mécontent. Madame Denis, si. Moi, non. De cette période, je me souviens comme des derniers moments d'insouciance affernée, où quand il n'écrivait pas des ouvrages savants ou des pièces de théâtre, Monsieur de Voltaire se livrait à toutes ses lubies. Avec ces froids durs, nos légumes d'hiver vont prendre du retard. Le gel va les surprendre. Camille, donne-moi la queue de la charrue. Honneur à qui fertilise la terre. Allons voir mes manufactures. Artiste de la soie. Avec toute cette soie, nous pourrons faire des bas. Des bas de grande qualité. Les premiers dans ce pays. Allons voir les montres. Plus belle qu'à Genève. Combien en avons-nous? 300 environ. 300? Tout de même, hein, c'est qu'il va falloir les vendre. comme les bas. Je vais m'en charger. Postscriptum pour Madame Dupuis-d'Angeac. Ce sont mes verres à soie qui m'ont donné de quoi faire ces bas, aussi magnifiques qu'ils sont peu coûteux. Dédiez les maîtres, madame, ainsi que votre fille, l'exquise Marie. Ensuite, ensemble, montrez toutes les deux vos jambes à qui vous voudrez et payez-moi quand vous pourrez, etc., etc. J'ajouterai bien un petit couplet pour mes montres. Qu'en pensez-vous, hein? Et en placer 5-6. Non? 10 peut-être? 10? Autant que cela, vous croyez? Et puis non, là, la prochaine fois. En revanche, demain, nous en proposerons 30 au duc de Duras pour qu'il en fasse présent à l'occasion du mariage de son fils. Il ne pourra pas me refuser ça. Ainsi passaient les jours à Ferney, au gré des fantaisies de Monsieur de Voltaire. Et des mimiques convenues de Madame Denis qui tenaient à ce que l'on sache certains matins que son oncle l'avait retenue toute la nuit. Mon oncle a eu une nuit accomplie. Il est d'humeur heureuse ce matin. Et puis Monsieur Audibert revint, qui mit définitivement fin à notre insouciance. Je m'en souviens, nous répétions encore le spectacle que Monsieur de Voltaire était impatient de faire représenter à Ferney même. Monsieur, Monsieur de Voltaire répète son temps créde, monsieur. Il a demandé que vous l'attendiez au salon. Bien. Selon vous, je sors à court ou à jardin? Peu importe, vous atermoyez tous. Jamais vous ne serez prêts. Alors que j'ai prédit 50 personnes à venir applaudir, puis à souper. Vous allez me déshonorer. Exercez-vous jour et nuit, s'il le faut, mais soyez à l'heure. Monsieur Audibert est là, Monsieur de Voltaire. Tancred attendra. Madame Denis nous a conviés à souper et à peu de patience. Bon. Nous avons une visite, Monsieur Audibert est de retour. Il nous racontera ce qu'ont dit ces Toulousains de juges. La reconnaissez-vous? Elle ressemble à celle que nous utilisons. Peut-être est-ce la corde dont notre malheureux fils se serait servi? Non, il n'aurait pas pu s'en servir. La corde est trop courte pour qu'un homme puisse s'y pendre. J'en ai fait l'expérience. Mais elle est toutefois suffisamment longue pour qu'on puisse l'étrangler avec. Vous le savez bien. Saisissez votre chance. Avouez que c'est vous, avec vos complices, qui avez tué votre fils. Vous gagnerez notre indulgence. Avouez, je ne le puis, vraiment, je ne le puis. Nous ne voulons pas de votre indulgence, mais justice. Simplement justice. L'indulgence s'adresse aux coupables. Veuillez vous rasseoir. À l'instant, vous venez bien de dire que vous vous étiez livré à une expérience tendant à prouver que la corde aurait été trop courte pour permettre à Marc-Antoine Calas de s'y pendre. Mais à quel moment avez-vous trouvé cette corde et pris sa mesure? Et qui prouve que c'est bien la bonne corde que vous avez expérimentée parmi toutes celles qui se trouvaient dans la boutique? Maître, c'est la bonne corde puisque c'est moi qui vous le dis. Quant à l'expérience, j'y ai procédé le surlendemain de cette nuit atroce, après que Calas ait avoué tous ses mensonges. J'ai placé le billot de bois au-dessus de la porte, j'y ai fait glisser la corde. Elle était vraiment trop courte pour qu'on s'y pende. Et vous n'avez pas éprouvé la nécessité de vous livrer à cette reconstitution en présence des accusés? Ou de moi-même, ou même de votre assesseur? Mais maître, Monseigneur n'y était nullement tenu par la loi. Tous les moyens sont bons pour faire apparaître la vérité. Oui, j'ai justement là quelqu'un qui pourrait y contribuer. Avec votre permission. Nous vous écoutons, monsieur l'abbé... Milasso, abbé Jean Milasso. Je m'apprêtais à confesser à Saint-Benoît qu'un jeune homme s'est approché de moi et m'a demandé à brûle-pourpoint si quelqu'un, sachant qu'il allait mourir incessamment pour sa vraie croyance... C'est par ici, monsieur l'abbé. Et qu'il ne fait rien pour l'éviter, si ce quelqu'un gagnait le statut de martyr. Il a bien prononcé le mot « martyr ». Je l'entends encore. Ce jeune homme était Marc-Antoine Calas. Mais non! Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que c'était bien lui? C'est dire. Ses attitudes révélaient une imminence particulière, celle de celui qui sait qu'il va mourir. On percevait très bien qu'il était résolu à affronter le martyr. Pouvez-vous nous fixer précisément le moment de cette rencontre? Certainement, c'était le 13 octobre. Vers 7 heures du soir, je revenais de Sainte-Opportune où j'avais confessé aussi. Messieurs les Capitouls, à 7h30, Marc-Antoine était à l'estaminet des 4 Billards, où son frère est venu le chercher. Il a protesté devant ses compagnons de jeu qu'il ne pouvait pas interrompre la partie, ce qu'il consentit tout de même pour se rendre à son dernier souper. C'est Monseigneur David de Beaudrigue qui a recueilli lui-même les témoignages de ses compagnons de jeu. Peut-être était-ce un peu avant. À quelques instants près, et il est difficile d'être précis. Une église ressemble à une église. Alors, ce serait à Sainte-Opportune. Mais Sainte-Opportune est hors les murs de Toulouse. Et il faut bien une bonne heure de cheval pour rallier Saint-Benoît. Mais alors, si c'est à 6 heures ou avant, nous savons que Marc-Antoine est allé changer de l'argent pour son père et qu'en chemin, il a parlé avec des personnes. Monsieur l'abbé, il me semble que votre mémoire se dérobe. Ou plus grave... Il suffit, maître. Vous parlez à un représentant de Dieu. Vous semblez l'oublier. Il faut mettre un peu d'ordre dans vos souvenirs. Et quand ce sera, nous vous réentendrons, si nécessaire. Le dernier témoin. Et là, la surprise fut extrême. Vous avez osé. Comment vous appelez-vous? Louis Calas, monseigneur. Vous êtes donc le frère du défunt? Oui, monseigneur, son cadet. Et vous êtes catholique, contrairement à vos parents, n'est-ce pas? Comment ça s'est-il passé avec votre famille quand elle a su que vous abandonniez sa religion? Lorsque j'ai annoncé ma décision, mon père en a conçu un grand dépit. A-t-il cherché à vous faire changer d'avis? En vous menaçant, en vous tourmentant? Ne vous a-t-il pas chassé? Il a beaucoup plaidé pour que je revienne sur ma décision. Beaucoup argumenté. Ma mère également. Mais quand ils ont compris que je demeurerai catholique, ils m'ont effectivement demandé de quitter notre maison. Donc il vous a chassé? Chassé, je ne peux pas le dire comme ça, monseigneur. Mais enfin, ils m'ont contraint à partir. Vous voyez? Mais j'ai compris, longtemps après, que c'était pour m'éloigner des autres huguenots. Leurs amis, qui me considéraient comme un renégat, me méprisaient, m'injuriaient, me menaçaient. Voilà bien, messieurs, les démonstrations que les Huguenots mettent en danger la vie de ceux des leurs qui abjurent. Comment ont réagi vos parents devant la conversion de votre frère Marc-Antoine? Mais mon frère n'a jamais manifesté l'intention de se convertir. Il aimait seulement à entrer dans nos églises pour y entendre les orgues. Vous excluez donc toute conversion de votre frère? Mon sentiment... c'est qu'il était trop profondément attaché à l'erreur réformée pour revenir à la vraie religion. Mais l'idée que mon père et ma mère soient les bourreaux de mon frère, ma raison s'y refuse. La raison. En voilà un argument, la raison. Il n'est de raison que divine. Vous qui avez longtemps fréquenté la religion prétendue réformée, n'abrite-t-elle pas de dangereux fanatiques, prêts à tout pour leurs croyances? Si, monseigneur. J'en ai beaucoup rencontré. Mais vous savez, chez nous, les catholiques... Nous sommes suffisamment instruits. À propos, il nous est revenu que vous étiez membre de l'ordre des pénitents blancs. Un rassemblement d'hommes très pieux. Est-ce exact? Et que votre frère avait envisagé d'y adhérer. Oui, j'appartiens aux pénitents blancs. Toutefois, je ne peux pas dire que mon frère ait envisagé de nous rejoindre puisqu'il n'était pas catholique. Mais un jour, c'est exact que dans une conversation, il avait admis que s'il l'avait été, il aurait probablement eu sa place parmi nous. Mais c'était, comment dire, un jeu de l'esprit. Mais non, je ne crois pas du tout que c'était un jeu de l'esprit. Plutôt le reflet d'une réflexion approfondie. Le début du chemin vers la vérité. C'est capital. Nous le verrons par la suite. Je te bénis, Louis. Mon père! Monsieur le procureur, nous vous écoutons. Il a parlé 3 heures, et sa conclusion fut terrible. C'est pourquoi je requiers que les 3 Calas, Jean le père, Anne-Rose sa femme et Pierre leur fils, soient condamnés à être pendus jusqu'à ce que mort naturelle s'ensuive. Je requiers aussi que la dite Jeanne Viguière, complice, soit enfermée pendant 5 ans dans le quartier de force de l'hôpital de la Grave en cette ville. Et le dit Gaubert Lavaysse, leur complice, à être condamné aux galères perpétuelles. Ayez présent que vous avez en main la défense de notre religion. Retirez-vous et délibérez sous le regard de Dieu. J'attends votre verdict avec confiance. Messieurs les Capitouls, je veux plaider, j'insiste. Non seulement pour les accusés, mais aussi pour vous. Qu'il ne soit jamais dit que vous avez jugé sans entendre une autre voix que celle qui accuse. Maître Carrière, ne m'obligez pas à répéter que vous ne pouvez plaider autrement que par écrit. C'est la loi royale. Par conséquent, nous examinerons les écritures que vous nous confierez. Sachez le gré de vous avoir laissé interroger les témoins. Suffit. Faisons confiance au Capitoul. Bien que nous discutions depuis plusieurs heures, je constate que nous n'avons dégagé ni aveu, ni les 2 témoignages de visu qui auraient pu, à titre de preuve manifeste, entraîner une condamnation, surtout à mort. J'ajoute que j'ai un savoir que vous n'avez pas. J'ai suivi l'enquête menée par Monseigneur de Beaudrigue. Je sais donc parfaitement de quoi il retourne. Et puisqu'il faut voter, je vote pour l'acquittement de tous. Êtes-vous vraiment sûr d'être ici à votre place parmi nous? Vous me décevez beaucoup, mon ami. Monseigneur, autorisez-moi à le demander à ceux qui m'y ont élevé. Messieurs, s'il vous plaît, asseyez-vous. On ne va pas nous quereller pour une poignée de huguenots. Récapitulons. 3 pour l'exécution immédiate. Plus 3 favorables à l'exécution, mais qui voudraient que les accusés avouent auparavant. Et 1 qui vote l'acquittement. Dans ce cas, la loi royale, dans sa sagesse, a tout prévu. Nous, Capitoul de la ville de Toulouse, disons qu'en vue de leur extraire l'aveu de leur crime, Jean Calas, Anne-Rose son épouse et Pierre leur fils seront soumis à la question ordinaire et extraordinaire jusqu'à ce qu'ils confessent leur crime. puis seront pendus jusqu'à ce que mort s'en suive, et leurs cendres dispersées au vent. Non, non, pas eux. S'il vous plaît, pas eux. Que Gaubert Lavaysse et Jeanne Viguière subiront le cachot autant qu'il plaira. Le tout en mémoire du cadavre de Marc-Antoine Calas, martyrisé pour sa religion. C'est mérité! C'est une injustice. Nous sommes innocents. Ce n'est pas fini. Ayez confiance. Je fais appel devant le Parlement de... Bien sûr qu'il faut en appeler à d'autres juges. C'est là que tout se jouera. Et les Huguenots de Toulouse, comment ont-ils réagi? Ont-ils fait quelque chose? Rien, sinon prier. Et encore, secrètement, ils étaient terrorisés. Souvenez-vous qu'à Toulouse, on donne des réjouissances chaque année en l'honneur de la Saint-Barthélemy. Je ne sais que trop, cette ville est la plus fanatique du royaume. Bon, eh bien... attendons l'appel. Et c'est là que, je le répète, tout se jouera et que je pourrais intervenir. Si la justice est bafouée. Ce n'est pas tout. Les pénitents blancs ont réussi à faire croire que Marc-Antoine était un martyr de la religion catholique. Ils ont promené sa dépouille à travers la ville avant de l'enterrer en grande pompe dans un cimetière catholique. Je vous rappelle, maître Carrière, que si le Parlement a bien voulu accepter l'appel des accusés, vous ne pourrez pas pour autant plaider de vive voix comme vous avez précédemment tenté de le faire. Vous devrez nous remettre un mémoire imprimé dont nous prendrons connaissance après avoir entendu les témoins. Nous en avons 26 contre Jean Calas, 17 contre sa femme, 29 contre Pierre Calas, 12 contre Lavaysse et 9 contre la servante Jeanne Viguière. Et combien en faveur des accusés? Un seul. Eh bien, les débats sont clos. S'il vous plaît, Monsieur le Président, je tiens à ce que vous entendiez le témoignage du docteur Antoine Louis de l'Académie royale de chirurgie. Il va vous démontrer scientifiquement pourquoi il est impossible de soutenir que Marc-Antoine ne s'est pas donné la mort lui-même. Dites-nous, que veut dire maître Carrière par « démontrer scientifiquement » ? Cela signifie, Monsieur le Président, que fort de mon expérience médicale, j'ai comparé les marques laissées sur le cou d'hommes exécutés par pendaison judiciaire à celles laissées sur le corps du défunt Marc-Antoine, telles qu'elles ont été décrites dans le rapport de mon confrère Latour. Il ne peut y avoir aucun doute. Les signes cadavériques ne sont pas ceux d'un homme étranglé par autrui, mais ceux d'un homme qui s'est pendu lui-même. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je puis dire, médicalement, scientifiquement... Permettez, la mathématique est une science. L'astronomie est une science, mais pas la médecine. La médecine est un art. Nous le savons depuis Hippocrate et Galien. On ne peut donc fonder un raisonnement scientifique sur la médecine. Les débats sont clos. Maître Carrière, donnez-moi vos écritures. Mon mémoire sur les accusés, Monsieur le Président. Il est bien épais, mais nous le lirons quand même. Entrez, Vanière. Jean Calas a été exécuté. Le verdict est tombé. Trop tard pour vous prévenir. Voulez-vous savoir comment ça s'est passé ? Monsieur de Voltaire s'alita 3 jours durant. Enfin, il nous fit tous venir dans sa chambre. Puisque je n'ai pas sauvé le père, je sauverai tous les siens. Et la vérité avec. Les juges, il paraît que ce n'est pas l'usage de contester leurs décisions. Les monstres, ils vont devoir rendre compte aux hommes du sang des hommes. Et Versailles avec. Je me suis désinvesti, j'ai eu tort. Mais je n'ai pas défroqué. Vous verrez. Monsieur le Saint-Florentin, ça fait bien longtemps que nous n'avions pas de nouvelles de Monsieur de Voltaire. Eh bien, aujourd'hui, il nous comble. Voyez. J'ai fait intercepter ses lettres. Enfin, pas toutes. Vous n'imaginez pas combien il en écrit par jour. Et la nuit aussi, sûrement. C'est Calas, vous êtes au courant. Monsieur le ministre en charge de la religion prétendue réformée. Le Capitoul de Toulouse m'avait informé en son temps de cette affaire. Je ne vous en avais pas parlé car elle était sans importance. Maintenant, elle est derrière nous. Monsieur Choiseul. Sans importance? Derrière nous? Je crains que ce ne soit qu'un vœu, Saint-Florentin. Mais que fait-il de nous? Je l'ignore. Savez-vous sa dernière? Non. Il avait lancé des invitations pour présenter sa tragédie suivie d'un souper. Eh bien, il a annulé souper et tragédie sans décommander ses invités. Vous n'irez pas à Syracuse avec Tancrède. J'apprends de Toulouse que Jean Calas, innocent de tout crime, a été écartelé sur un palan jusqu'à ce que ses membres étirés craquent et se détachent. On lui a fait ingérer des cruches d'eau, 15 cruches pas moins, jusqu'à ce que son ventre se tende et qu'il rende ses entrailles par la gorge, et qu'il en étouffe. Puis on l'a fait coucher sur la roue, à coups de barre, ils lui ont brisé les bras, les jambes, puis les reins. Son sang a giclé sur la figure du bourreau, et sur le Capitoul qui pensait, au-dessus de son visage, lui criait d'avouer. En vain. Alors il l'a fait transporter sur l'échafaud. Jean Calas est resté là, immobile, les yeux tournés vers le ciel, tandis qu'un prêtre le tourmentait encore et encore pour l'exhorter à avouer, toujours en vain. Son agonie a duré 2 heures. Alors le bourreau s'est approché et l'a étranglé. Puis son corps a été brûlé et ses cendres jetées aux immondices. Aux immondices. Contre les assassins juridiques, il n'y a d'espoir que dans le cri public. Criez, criez contre lui. Et, savez-vous, pour, selon lui, répandre cette infamie, à chacun de ses invités, il a promis une lettre sur ce Calas. Et tenez-vous bien, il tient parole. Sa demeure n'est plus un château, c'est une messagerie. Il vous suffira 3 copies. Chacun de vous en rédigera 22 par jour, au moins. C'est mon rythme habituel. écrivons à Monsieur Fyot de La Marche. Oui, je sais Vanière. Il n'est ni très instruit, ni très pertinent. Tout le monde n'est pas d'Alembert, ni Diderot, ni même Rousseau. Mais il est bavard, tellement bavard, il en parlera à la terre entière. Écrivez. Mon cher et respectable ami, on l'ignore peut-être en Lorraine. Oui, mon pied. Mademoiselle, prenez-en donc soin. Mais il vient de se passer à Toulouse une scène qui fait dresser les cheveux sur la tête. Savez-vous ce que Monsieur de Voltaire nous écrit? Monseigneur, une lettre de Monsieur de Voltaire. Monsieur de Voltaire entreprit d'alerter tout ce qui comptait en Europe. Elle est arrivée dans la nuit, Monseigneur le Cardinal. À commencer par le Cardinal de Bernis, qu'il prenait plaisir à flatter. Ce qu'il inonde Paris et Versailles. Lisez ce qui a trait à ce Calas dont on nous rebat les oreilles. Oserais-je supplier votre éminence de vouloir bien me dire ce que je dois penser de l'aventure affreuse de ce Calas, roué à Toulouse? Ordinairement, Monsieur de Voltaire sait parfaitement ce qu'il convient de penser. C'est qu'on prétend ici qu'il est très innocent. Cette aventure me tient au cœur. Elle m'attriste dans mes plaisirs, elle les corrompt. Il faut regarder le Parlement de Toulouse avec des yeux d'horreur. Et il vous présente ses respects. Ses respects, je n'en crois pas un mot. Et à Voltaire? Voltaire, ces correspondances atteignirent jusqu'à Catherine de Russie et même, à la surprise de tous, Frédéric II de Prusse, avec lequel il était fâché de longue date et qu'il avait dû lui coûter de supplier. J'aime mieux l'avoir comme ami que comme sujet, et que ses idées infestent la France plutôt qu'ici. Vous voyez, le grand défaut des gouvernants, c'est de sous-estimer l'opinion publique. Eh bien, on va leur faire brailler aux oreilles l'opinion publique, l'opinion publique, l'opinion publique. Tiens, si j'abordais Madame de Pompadour, après tout, elle a l'oreille du roi. L'oreille, c'est une façon de parler. On dit qu'elle est en disgrâce. Eh bien, justement, elle aura à cœur de soutenir une bonne cause pour faire oublier à la cour qu'autrefois elle sautait à pieds joints dans le lit du roi. Et sans faire la révérence. Il dit que l'opinion publique exige la libération de la femme Calas, de son fils, de ce Lavaysse et d'une servante. Il me demande de le souffler à Sa Majesté. Mais comme vous savez, elle m'est un peu lointaine ces temps derniers. Il dit que c'est l'intérêt du roi d'écouter cette opinion publique. L'opinion publique? Dit-il ce que cela est? On le devine. Une sorte de rumeur, mais en plus étendue. Et qui tiendrait sa force du fait qu'elle est commune à un grand nombre de sujets du roi, indépendamment de leur rang et de leur qualité. Il ne veut tout de même pas dire que les opinions d'un bourgeois, d'un marchand, d'un paysan, parce qu'elles font nombre, s'imposeraient au roi, à vous, à moi, ou à notre chère marquise. C'est exactement cela. C'est pourquoi... il vaut mieux ne pas la laisser s'exprimer à haute voix, cette opinion publique, mais lui donner tout de même quelques satisfactions. On ne va tout de même pas faire élargir des coupables, réformer de surcroît. Mon ami, la haute politique s'accommode fort bien des erreurs judiciaires. Il doit même lui arriver de s'en nourrir. Ce qui lui laisse les mains libres pour libérer un coupable quand cela sert ses intérêts. On va faire sortir la servante et ce Lavaysse, mais pas la femme Calas et son fils, non. La servante et ce Lavaysse seulement, une catholique et un réformé. Comme ça, on caresse les deux camps. Monsieur de Voltaire accueillit la nouvelle d'un haussement d'épaules, comme si elle allait de soi. Le conseil du roi que je saisis au nom des Calas ne pourra moins décider que, premièrement, libérer la veuve Calas et son fils et ses filles. Secondement, les indemniser fortement du malheur qu'on leur a infligé. Libérer et indemniser. Réveillez-moi, Saint-Florentin, réveillez-moi. Troisièmement, le conseil du roi ne pourra pas moins faire que désavouer le Parlement barbare de Toulouse, coupable d'un assassinat en robe et en bonnet carré. Libérer, indemniser, désavouer, réhabiliter. Je ne m'en lasse pas. on dirait que vous l'admirez. Admirez? Au fond, peut-être. Voyez-vous, il m'arrive de penser qu'à la place où nous sommes, le destin nous joue un bien vilain tour en nous opposant à lui. Aux yeux du monde, il a déjà réussi à nous faire endosser le mauvais rôle. Qu'allez-vous faire? Faire traîner. Ce Beaumont, cet avocat franc-maçon payé par Voltaire, demande au Conseil du roi de l'autoriser à faire appel du jugement de Toulouse. Ça, nous ne l'éviterons pas. En revanche, pour mettre en route cette révision, nous sommes maîtres des délais. S'ils pensent qu'on va laisser le temps ensevelir leur turpitude, ils vont voir. Je vais leur donner le coup de grâce avec une arme qu'ils n'imaginent pas. Lisez, s'il vous plaît. Je vais appeler cette requête « Traité sur la tolérance ». Je voulais que vous fussiez la première à la découvrir. Majesté. Savez-vous que Monsieur de Voltaire s'est arrangé pour qu'un exemplaire de ce livre, expédié par vagues, parvienne à chacun des membres de votre conseil? C'est un homme de théâtre et il s'est arrangé à faire croire à certains que s'il n'épousait pas sa cause, ce serait comme s'ils avaient joué les vilains personnages devant la postérité. Ils l'ont tous lu. J'ai escompté que 4, 5 juges, pas plus, disons 10, iraient dans le sens de Voltaire. Mais pas tous. Pas tous. Remarquez, sire, dans un attelage, il arrive qu'un cheval se dérobe. Mais là, toute une écurie. Et non content de se faire imprimer par Kramer à Genève, il a installé une imprimerie dans sa demeure. Et il presse, à tour de bras. Et bien entendu, on l'a interdit, ce livre. Mais justement, parce qu'il est interdit, tout le monde le veut. Les Français sont comme ça. Mais vous avez intercepté. Pas suffisamment. Il lui fallait mettre des gens sur tous les chemins du royaume, dans toutes les échoppes, tous les salons. Et je ne parle pas de l'Angleterre, de la Prusse, de la Russie, de la Pologne, du Danemark. Il en aurait renvoyé aux Turcs que je ne serais pas autrement surpris. Pas aux Turcs, tout de même. Qu'est-ce qu'il dit? Voyez vous-même, Majesté. Traité sur la tolérance. Vous l'avez lu? En entier? Il a bien fallu. Et alors? Ce ne s'agissait que des Calas, mais non. Ils généralisent. Ils proclament des idées inconséquentes. L'égalité serait de nature à éviter les erreurs judiciaires. Les hommes devraient pouvoir choisir qui les gouverne. Non. Si. Il dit aussi, l'affaire Calas affecte la liberté de pensée et de croyance. Cette liberté est une exigence première des peuples, et plus loin, puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères. Ce sont ces mots. Les bourgeois en font leur gorge chaude, et même plus haut. Quant à plus bas, heureusement, le peuple ne sait pas lire. Malheureusement, il n'est pas sourd, mon cher Choiseul. C'est la philosophie toute seule qui va écraser le fanatisme. La vérité est en marche. S'il vous plaît, puisque Paris et Versailles me sont toujours interdits, allez-y pour moi. Vous accompagnerez les Calas, vous me représenterez, et puis vous me rapporterez le dernier acte. Oui, monsieur. Enfin vint ce jour de février 1765. Le procès de Jean Calas, de sa famille, de Gaubert Lavaysse et de Jeanne Viguière recommençait à zéro. Mais cette fois-ci, sous le regard de l'Europe entière. Il s'étendit sur 6 semaines. Son issue était incertaine, car depuis qu'elle existait, jamais la justice royale n'avait consenti à se déjuger et moins encore à réhabiliter un condamné. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier mot, nous ne savions pas ce que le jugement allait prononcer. Il s'était installé un grand silence. Nous, maîtres des requêtes de l'Hôtel du Roi, nous concluons unanimement que nous déchargeons la mémoire de Jean Calas de l'action contre lui intentée. Disons qu'il est réhabilité. Disons que nous déchargeons sa veuve, un de ses fils, le jeune Lavaysse, et la servante de l'accusation portée contre eux. Ordonnons que l'amende et les dépenses soient rendues à la diligence du procureur général du roi. Vous lui direz. C'est le plus beau cinquième acte qui soit. Mais ce n'est pas le dernier tableau, petite Corneille. Le dernier tableau, vous en aurez connaissance quand vous viendrez me rejoindre tout à l'heure dans mon cabinet. Plus tard, à ma surprise, apaisé comme je ne l'avais jamais vu, Monsieur de Voltaire entra en confidence. À ce moment-là, voyez-vous, j'étais à peine sorti de l'enfance. Mon père a dit de moi que j'étais fou d'impiété. Bien vu. Ce que j'aime dans cette folie, c'est qu'elle a fait de moi le propriétaire d'un talent qui m'a permis de dire l'indicible. Mais du coup, m'a condamné à être l'unique comédien de mon propre théâtre. Personne ne me donne la réplique. Je soliloque toujours. Je grimace. Ma vie a commencé par des grimaces. On m'a cru mort à la naissance, laid, intelligent, je n'avais de choix que défendre des convictions élevées. Remarquez, j'ai plus séduit par l'esprit que je n'ai suscité le désir. Mes échecs portent des prénoms de femmes. C'est à ce moment que j'ai découvert que... S'il se savait admirer, il pensait ne jamais avoir été aimé. Jamais? Non, vraiment, je vous l'assure. Je ne le fus jamais. Pardonnez-moi, mais... Vous qui êtes si savant en tout, vous ne connaissez rien aux femmes. Il faut que je vous dise... Non. Madame Denis pense que le moment est venu de vous marier. Ce capitaine qui se refusait à écrire des tragédies est revenu à la charge. Son assistance gage qu'il vous porte beaucoup, un véritable intérêt. Vous serez doté autrement plus qu'il est d'usage. Je vous conduirai à l'hôtel, non comme ma pupille, mais comme ma fille. Puisque ce sont vos ordres. Est-ce pour que je n'ai pas de regret que vous vous êtes déguisé en vieillard? Ne regrettez rien. Vos sentiments, puisqu'ils sont nés, mourront. Et vous couriez le risque d'être affecté à mes tisanes et à mes migraines. Laissons-les à Madame Denis, qui n'a plus que cela. Je l'ai aimée. Mais lui, je veux croire qu'il n'a pas osé. Alors pour la première fois, fût-ce un court instant, je lui ai tenu tête. Au fond, vous aimez moins les gens que leur cause, et je n'en suis pas une. Osez me dire le contraire. Et lui, pour la première fois, ne m'a pas retourné une de ses répliques qui claquait comme une gifle. Avait passé. Monsieur de Voltaire s'était risqué à quitter son exil de Ferney. Malgré son immense état de fatigue, il avait insisté pour se recueillir dans la salle des requêtes. Personne n'avait compris les raisons de son obstination. Personne, sauf moi, qui savait que c'était l'accomplissement d'une promesse faite il y a longtemps à une jeune fille sans importance. C'était là le dernier tableau du dernier acte, d'une pièce à sa mesure, et son dernier rôle. Regarde-le bien, il a sauvé des protestants. Merci, Voltaire. Il était fêté dans tout Paris. Vraiment. Rassurez-vous, cet engouement pour ce vieux singe, c'est une mode. Comme le café, ça passera. Certes, ce chahut est ennuyeux, mais ce n'est pas à vous que je vais apprendre que Paris est indocile et a besoin d'être maté. Pourquoi d'ailleurs l'avoir autorisé à y rentrer? Mater un chahut. Ma pauvre amie, il s'agit bien de cela. Ne voyez-vous pas que ce vieux singe, comme vous dites, avec son écritoire, ses papiers, ses livres, cette maudite affaire Calas, a plus accompli pour faire basculer notre monde que plusieurs siècles de complots et de guerres? Regardez notre fils. Marie, il a souhaité que ce soit vous qui lui fermiez les yeux. Petite Corneille, si on vous demande pourquoi tout cela, répondez que j'ai suivi mon penchant. J'entends sur le feuillage l'eau qui tombe en bruit. Voici venir l'orage. Comme l'annonçait cette chanson des rues, nul n'ignorait désormais que le souffle et l'esprit de Monsieur de Voltaire avaient semé le tonnerre et l'orage. Voici venir ma mère et ma